Psaume 118, versets 24, 26 et du verset 8 au verset 17. J'entends. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme, que de se confier au grand. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Et m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. L'Éternel est ma force, c'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Des cris de triomphe et de salut s'élève dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Je ne vivrai pas, je mourrai, je raconterai les œuvres infiniment merveilleuses de l'Éternel. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Donc voilà notre cantique, un témoignage. Jésus-Christ, PV, connaîtrez la vérité et la vérité.